Mais enfin, cesse de crier, pour l'amour du ciel! Si j'ai envie de crier, je crierai, c'est pas toi qui m'en empêchera! Écoute-moi pour une fois, pourquoi est-ce que tu ne veux jamais m'écouter? Parce que tu n'es qu'une menteuse, tu as menti pour m'épouser, menti pour te débarrasser de moi, tu n'es qu'une sale intrigante! Ça suffit, va-t'en, fiche le camp! En voilà une façon de parler à son mari. Tu n'es plus mon mari, je te signale. Si, justement, et c'est pas ton divorce bidon aux USA qui te dispensera d'être ma femme. Ça reste à voir. Et je ne permettrai pas que de petits morveux tournent autour de toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je t'en prie, ne fais pas l'innocente, ce type est entré ici, je l'ai suivi. Mais tu es complètement fou, ce jeune homme. Mensonge, mensonge! Enfin, pourquoi ne veux-tu jamais m'écouter? Parce que je ne suis pas idiot, tu m'as laissé choir il y a 8 ans pour faire du cinéma, alors que tu me dois tout. Je t'ai donné un nom, je t'ai sorti du ruisseau, et maintenant tu passes ton temps à traîner avec des petits morveux. Tu n'es qu'une... Vas-y, te gêne pas, dis-le. Pute. Une sirène. Taisez-vous. Cette femme ne s'est nullement noyée. On l'a étranglée avec cette ceinture. Oh! N'approchez pas, je vous prie, restez où vous êtes. Bon, eh bien, qui a découvert le corps en premier? C'est moi. Quoi, mais ce n'est pas vrai, c'est nous. Ensemble? Elsie l'a vu la première. Oui, c'est ça. Mais il dit que c'est lui. Eh bien, c'est faux. Témoignage contradictoire, on dirait. Soyez pas ridicule. Ce serait trop vous demander de le laisser parler? Quelle est votre version des faits? Eh bien, nous avions l'intention d'aller nous baigner. Et juste au moment où nous arrivions en vue de la plage, nous avons vu cet homme s'enfuir en courant. C'est absurde, j'allais chercher de l'aide. C'est faux, vous avez vu vous enfuir à Alice. Oui, on l'a vu s'enfuir. N'écoutez pas, cette fille est hystérique. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas hystérique. On vous a vu vous enfuir, vous le savez très bien. Mais enfin, je vous dis que non. J'ai vu le corps du haut de la falaise, alors naturellement, je suis descendu. Et comme je ne savais pas si elle était morte ou juste inconsciente, je n'avais pas vu la ceinture, je suis parti chercher quelqu'un pour lui faire la respiration artificielle. Je ne suis resté là que quelques minutes. Cette femme n'est morte que depuis quelques minutes. Meurtre d'une actrice. Christine Clay, découverte étranglée sur une plage. Christine Clay, retrouvée sur une plage, le meurtrier servi d'une ceinture, Scotland Yard, chargé de l'enquête. Meurtre d'une actrice. La police a arrêté un suspect. Il est temps qu'on en finisse. Alors, cette ceinture vous appartient-elle, oui ou non? Pour la énième fois, je vous dis que non. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Vous venez à l'instant de reconnaître que vous avez un par-dessus.
N'écrivez pas que j'ai, mais que j'avais un pardessus. Ah, que vous avez perdu, c'est ça? Mais non, j'ai dit qu'on me l'avait volé. Pourquoi faut-il que vous déformiez tout ce que je dis? Ne vous énervez pas comme ça, c'est une simple formalité. Vous affirmez qu'on vous l'a volé. Bon, ben, admettons. Mais quand vous a-t-il été volé? Je ne sais plus exactement. Je l'ai laissé dans la voiture, je suis allé acheter des cigarettes, et quand je suis revenu, il avait disparu. Ah, vous voulez dire qu'il a disparu, comme par enchantement? Où avez-vous acheté vos cigarettes? Chez Tom Zatt, un relais de routier. Très bien, passons à autre chose. Est-ce que vous connaissiez bien la victime? Oui, assez bien, je l'ai connue en Amérique. À votre avis, j'irais trop loin si je vous disais que vous étiez particulièrement bons amis? L'inspecteur Kent vous demande si vous étiez amants. C'est absurde et complètement faux. On peut donc noter que vous étiez bons amis. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Étiez-vous suffisamment bons amis pour parler argent avec elle? Bien sûr, nous en avons parlé, je lui ai vendu les droits d'une de mes nouvelles et elle m'a bien payé et en temps voulu. J'ai reçu des mains de la victime de l'argent en diverses occasions. Parlons d'argent. Pensez-vous qu'il serait juste de dire que vous êtes plutôt à sec? Ce serait plus que juste, ce serait l'absolue vérité. Passionnant. Surtout si on songe qu'elle vous a légué la coquette somme de 1200 livres. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est évanoui ou il fait semblant de l'être? Évidemment qu'il est évanoui, ça se voit tout de suite, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Je mets quelque chose sous sa tête. Mais non, c'est idiot, il faut lui tenir la tête droite et le faire asseoir. Mais aidez-moi, voyons. Allez chercher du cognac. Vous avez l'air de vous y connaître en scourisme. Ah oui, je n'aurais pas fait du scoutisme pour rien. C'est aussi dans le scoutisme qu'on apprend à gifler? Non, c'est en voyageant dans les voitures des inspecteurs de police. C'est le traitement que vous infligez aux oreilles des inspecteurs? Mais non, c'est ce qu'on fait aux boxeurs quand ils sont KO et ça les ranime en rien de temps. Un peu douloureux comme système. Quand on a le reste du visage amoché, je vous assure qu'on sent rien. Bon, vous savez, on n'a pas été si brutaux que ça. Tenez, donnez-moi ce cognac. Dans une minute, il ira mieux. C'est vous qui l'avez mis dans ses états? Oh, vous inquiétez pas pour lui, mademoiselle, il n'en vaut pas la peine. Il est coupable? On ne sait pas encore. En tout cas, il n'a pas l'air d'un criminel. Bon, si j'étais vous, je ne me fierais pas aux apparences. Mais je ne m'y fie pas. De toute façon, ce n'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous vous êtes évanoui. Soyez pas ridicule, je ne me suis jamais évanoui. Jamais. Vous savez, il faut un début à tout. Bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Il faut que j'aille rejoindre mon père. J'ai l'impression qu'il aime le cognac. Il n'est pas encore bien vaillant. Si ça le reprend, jetez-lui un seau d'eau à la tête. Qui est-ce? La fille du commissaire. Eh bien, elle manque pas d'audace. Je ne vous le fais pas dire. Alors, si je comprends bien, l'accusation ne repose que sur le témoignage de ces jeunes filles. Bonjour, papa. La procédure devrait être de pure forme. Alors, pourquoi dans ce cas l'ont-ils interrogé presque toute la nuit? Puisque c'est Scotland Yard à ses méthodes. A-t-il au moins un avocat décent pour le défendre? Je crois qu'on a désigné Maître Bix. Oui, un avocat dont vous plaisantez. C'était le seul disponible. Ah, je vois. D'où tu viens, toi? D'un petit tour dans les locaux. J'ai laissé ma serviette sur le siège, allez, va me la chercher. Oh, vas-y, toi-même. Ah, je l'aurais bien fait, seulement si on me voit près de cette guimbarde, je n'aurais plus qu'à démissionner. Tu n'as pas honte d'être aussi snob, papa. D'ailleurs, tu devrais l'adorer, elle est presque humaine. Tu vas donc aller lui demander très poliment de ne plus bloquer l'entrée du tribunal. Pas pouvoir vous aider. Une autre fois, peut-être. Ça suffit, venez. Donnez-lui donc un peu de cognac. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bix. Quelle belle journée. Par une si belle journée, il serait criminel d'être déprimé. Et on ne peut que se réjouir de voir le soleil. Figurez-vous que pas plus tard que ce matin, mon épouse me disait « Henri, tu as tort d'être si pessimiste à propos de cette affaire. » C'est gentil de sa part. N'est-ce pas? Voyez-vous, nous n'avons pas eu une affaire aussi intéressante depuis plus de 12 ans. C'est tout à fait inespéré dans une petite bourgade comme la nôtre. La plupart du temps, nous n'avons que des cas de recherche de paternité. Vous comprendrez donc ce qu'une telle affaire peut avoir d'exaltant pour nous. Vous ne croyez pas qu'on devrait peut-être en discuter un peu? Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas nous nuire.
Il me semble cependant que nous aurons largement le temps d'en discuter avant le procès. Le procès? Croyez bien que je suis navré. Oh mon Dieu, que je suis maladroit. Là. Bon, où en étions-nous déjà? Ah oui, voyons voir. À première vue, je dois dire que cette affaire ne se présente pas trop bien. Enfin, il ne faut pas désespérer. Bon, oui, prenons d'abord ce témoignage. Ces deux jeunes filles disent vous avoir vu prendre la fuite. Pourquoi preniez-vous la fuite? Je ne l'ai pas prise. Non? Ah, pourtant, ça en a tout l'air. Je veux dire par là qu'il va être difficile de prouver le contraire. Quant à la somme que cette pauvre femme vous a laissée, j'ai bien peur qu'elle n'arrange guère les choses non plus. Je crains en effet que cet argent ne soit considéré comme un bon mobile. Enfin, il ne faut pas désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer. Nihil desperandum. Ah oui, mais je dois dire que j'aurais été beaucoup plus optimiste, oui, beaucoup, beaucoup plus optimiste sans cette histoire de ceinture. Quel dommage tout de même. Si au moins on me laissait sortir d'ici, je pourrais le retrouver, ce maudit par-dessus. Écoutez, je vous jure qu'on me l'a volé au Tom's Hat. Vous l'avez perdu cet automne? Mais non, voyons. Ah bon, j'aime mieux ça. Je crois que nous tenons là un bon point. À moins que... Tom's Hat est le nom d'un relais routier qui se trouve en bordure de la route de Crompton. Si seulement je retrouvais la ceinture de mon pardessus, la police comprendrait qu'elle est en train de faire une erreur monumentale. Oui, bien sûr, et je vais naturellement faire tout ce que je peux pour vous. J'avoue que j'aurais néanmoins préféré que vous soyez plus franc avec la police. À ce propos, croyez-moi, on ne perd jamais rien à être franc avec la police, au contraire. Seriez-vous par hasard ici pour représenter la police? Mon Dieu, monsieur, mais bien sûr que non, je suis dans votre camp. dites-moi, quand ils vous ont fouillé, ils vous ont laissé votre argent? Oui. J'ai 2 livres et 3 shillings. Je me demandais si par hasard il vous serait possible de me verser dès maintenant un petit acompte. Mais je vous en prie, combien voulez-vous? Eh bien, je veux en tête une somme de l'ordre de 2 livres environ. Oh, merci. Je trouverais dommage que vous manquiez d'argent. Un conseil coûte très cher de nos jours, vous savez. Enfin, j'espère que vous avez de bons amis qui pourront éventuellement voler à votre secours si besoin est. Ça va être à vous, maître Bix. Ah. Mon Dieu. Ah, oh, quel malheur. Je crois que j'ai égaré mes lunettes et je dois dire que sans elles, je suis assez perdu. Auriez-vous l'obligeance de demander à la cour de patienter un moment, je vous prie? C'est affreux, je ne pourrais pas lire mes notes. Par une si belle journée, on aurait tort de se désoler. N'est-ce pas, maître? Hmm? Attendez une minute, l'autre affaire n'est pas terminée. Bon, bon, je crois que nous pouvons nous passer de ce genre de détails. Madame Benson, tenez-vous réellement à ce que je prononce un jugement de séparation? C'est pas que j'y tienne, monsieur le juge, mais faut plus qu'il me batte comme ça. Monsieur Benson, voulez-vous me promettre qu'à l'avenir, vous vous conduirez correctement? Oui, monsieur le juge. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est parti tout seul. La séparation ne me paraît pas souhaitable. C'est également mon avis. Moi, je suis contre la séparation. Je vous relaxe sous condition que vous vous tiendrez tranquille pendant 6 mois. Monsieur le juge, vous pourriez pas lui donner 2 mois de plus, que j'ai la paix au moins jusqu'à Noël? Non. Vous pouvez disposer. Affaire suivante, je vous prie. Allez, viens, on rentre à la maison. On peut jouer un copain. Si tu parles, dis plutôt que tu vas te saouler, oui. Bon, on la ferme. Hé hey. Mais où est-il passé? Monsieur, auriez-vous l'obligeance de vous pousser un peu, s'il vous plaît? Merci. Restez assis. Le prisonnier s'est échappé. Votre honneur, je vous prie. Bon, je veux 4 hommes pour fouiller le petit bois. Et vous lancez clé à 3 pendant que le 4e fouille. Allez. S'il y a un assassin dans le petit bois, j'y vais pas. Alors, on a la trouille? Non, mais je suis pas fou. Alors faites-vous escorter par 2 hommes. Venez ici, vous deux. Et vous, le monsieur Lunette. Vous allez prendre le chemin de traverse qui conduit à la grande route. Il pourrait bien essayer d'aller la rejoindre. Vous deux, de chaque côté de la grille. Et vous, sur la grande route. Le
accompagner. Vous allez prendre cette voiture et aller à la gare. Il y a un train qui part dans un quart d'heure. Assurez-vous qu'il n'est pas tard. Bon, et donnez l'alerte à toutes les gares qui sont sur la ligne. Bien, chef. Vous savez la conduire. Je sais tout conduire. Mais papa. Ne t'inquiète pas, le brigadier saura bien se débrouiller. Oui, mais pour la faire démarrer, il non, faut non, mettre. Non, vous inquiétez pas, on va se débrouyer. Mais je sais. Écoutez, on ne peut pas faire démarrer ça. Il faut le faire tourner. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bout de ficelle? Attention, c'est le gicleur. Si vous le tirez comme ça, vous n'arriverez jamais à la gare. Desserrez le frein. Ça va. Sautez sur le marchepied gauche. Ne vous fatiguez pas, j'ai mis le frein. Je me disais que c'était pas normal, hein. C'est tellement en pente par ici. De toute façon, on ne pourra pas le retrouver, vous devriez continuer seul. Et vous, mademoiselle? Ne vous inquiétez pas pour moi, je trouverai bien de l'essence. Hop, halte là, jeune homme. Qu'est-ce que vous voulez? On va te réquisitionner, jeune homme. Vous allez quoi? Se servir de ta charrette au nom de la loi. Ben, vous avez pas le droit, je vous prends un panier à salade. Ben, ça en sera rien que ça te pèse au nom. Donc tu nous conduises à la gare et le plus vite possible. Ah oui, mais je peux pas aller vite, ça. Les cochons, ils aiment pas ça. Et alors, on n'y peut rien, nous aussi, on travaille. Le boulot à moi, c'est le cochon. J'espère que vous trouverez de l'essence, mademoiselle. Et moi, j'espère que vous allez le retrouver. Oui, oui, oui. Bon, allez, où est-ce qu'on s'assoit? Avec les cochons. Allez, allez, passe devant. Oh, je sais pas. Faites attention, cochon. Mais vous pouvez pas faire un peu de place parce que là c'est. J'arrête là, c'est une charrette pour 10 cochons, pas pour 12. Mais oui, c'est bien la pisseur des pauvres. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes complètement fou, vous ne savez donc pas qui je suis? Si, vous n'êtes que la fille du commissaire, ainsi que mon ange gardien. Si vous trouvez ça drôle, tant mieux pour vous. Vous vous rendez compte que la moitié du pays vous recherche en ce moment? Et que je vous recherchais moi aussi. Oui, maintenant que vous m'avez trouvé, je tiens à vous aider. J'ai même l'intention de pousser ce vieux taco jusqu'au prochain poste à essence. Ma voiture n'est pas un vieux taco. Mais enfin, c'est absurde, vous n'avez aucune chance de vous échapper. Il faut que j'aille prévenir la police immédiatement. Vous savez ce que vous devriez faire? Non. Me remercier de pousser ce taco. Merci. Faudrait pas oublier que c'est moi qui fais tout le travail. Dix... 10 litres, s'il vous plaît. Le requin! Viens faire le plein! Vous êtes au courant du type qui est en cavale? Il est recherché par la police. Ah oui? Ah, j'en sais quelque chose, je viens de faire le plein à ces messieurs. Enfin, si jamais vous voyez, dites-lui de ma part de ne pas se laisser prendre, c'est bon pour les affaires. Entendu, je n'y manquerai pas. Hé, hey, pa! Hé, hey, papa! Merci. C'est combien? Presque 3 shillings. Tenez, gardez la monnaie. Merci beaucoup. Vous me direz à quelle adresse je dois vous envoyer l'argent. À celle que vous voudrez. Vous voulez bien la faire démarrer? Laissez, je vais le faire. On est loin du relais Tom's Hat? Vous voyez l'horizon? Bah, à partir d'ici, on a le tout droit, faut compter 2 fois cette distance. Combien de kilomètres? Ça fait 8 kilomètres. Après, prendre à droite, continuer un peu, tourner à gauche à la fourche, rouler sur 3 bornes, c'est bon. À gauche, hein, pas à droite, sinon on retourne en ville. Alors à gauche. C'est ça, et après c'est à 3 bornes. Et vous avez entendu, ma chère, 8 km en ligne droite, on prend à droite et puis on tourne à gauche à la fourche. Oui, j'ai entendu. Vous savez très bien que je ne peux pas N'oubliez faire N'oubliez pas que c'est mon essence. Mais on est tout droit sur à peu près 8 km. Oui, oui, je sais, merci. On n'est pas à Tom's Hat? Non, mais vous allez descendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est peut-être une raison suffisante pour vous, mais pas pour moi. De toute façon, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire.
Ah ah, alors je vous ai convaincu. Non, je peux vous certifier que non. Oh que si, vous savez qu'il serait trop dangereux pour moi d'aller à Tom's Hut avant la nuit, alors qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Vous me persuadez de rester dans ce vieux moulin jusqu'à ce soir, puis vous revenez me chercher ici pour aller à Tom's Hut avant la fermeture. J'ai l'impression d'être Fabrice Del Dongo. Et vous, Clélia Conti. Et tout à l'heure, j'étais seulement une petite sœur des pauvres. C'est justement ce que j'aime chez vous, vous êtes différente. Comment pouvez-vous encore plaisanter? Vous savez ce que vous risquez si on vous capture? Oh, je n'ai bien une vague idée. Une idée affreusement vague. Et ça vous amuse? Non, mais j'ai le droit de rire puisque je suis innocent. Je vois bien que vous ne me croyez pas. Pourtant, je le suis. Alors, qu'allez-vous faire? Du fond du cœur, nous vous remercions, Seigneur, pour ce repas que vous nous donnez. D'accord. Christophe, je t'en prie, tu pourras avoir un peu plus de respect pour le bon Dieu. Oh, je suis désolée. En fait, on devrait dire bénédicité en latin. Dis donc, c'est pas parce que t'as été premier en latin l'an dernier qu'il faut crâner. T'es allé chez le dentiste ce matin? Oui, papa. T'as eu mal? Jamais de la vie, regarde. Ah bah dis donc, c'est un beau trou, ça. Pourtant, j'ai pas eu mal. J'ai même rien senti. Seul inconvénient, c'est qu'il faut que je mange mes pommes de terre en purée. Enfin, moi au moins, j'ai pas eu peur d'aller chez le dentiste. Pourtant, t'emmenais pas large ce matin. C'est pas vrai. Si c'est vrai même que tu tremblais comme une feuille. Eh, fais voir un peu. Ah, pas mal, non? Taisez-vous et mangez votre soupe, on ne parle pas de dents à table. J'ai peut-être à voir un appareil. Stanley, tais-toi. Chris, tu pourras me prêter ta carabine tout à l'heure? Je n'en veux, mais je vais en avoir besoin. Erika, tu ne devrais pas les laisser tirer à la carabine, c'est hautement dangereux. Tiens, Florentin qui s'en suffit, c'est de le taquiner. Il a un langage très châtié. C'est hautement dangereux. Oh, toi, la ferme. Ah, je te comprends mieux. De toute façon, Chris, c'est même pas visé juste. Ah non, et lui, comment tu crois que je l'ai eu? Christophe, qu'est-ce que tu fais? C'est dégoûtant. En tout cas, c'est un beau morceau. Sors cet animal d'ici, il va te laver les mains. Mais je lui lavais avant le déjeuner. Fais ce que je te dis, Christophe. D'accord. Alors, il paraît que tu es tombé en panne d'essence? Oui. J'ai dû la pousser sur des kilomètres. Vous avez réussi à le capturer? Pas encore, non. À mon avis, c'est qu'une question d'heure maintenant. Il est menteur, mon cher Watson. Tu ne souffres pas trop, Stanley. Tu ne veux pas qu'on te serve tes pommes de terre en purée? Oh, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. En vérité, tout dépend de la somme d'argent qu'il a sur lui. C'est souvent un facteur décisif dans les cas d'évasion. Un quoi? Un facteur décisif. Qui c'est celui-là? Riche. Il avait beaucoup d'argent en poche? D'après la police, environ 3 shillings. Enfin, c'est ce qui lui restait après que Maître Biggs lui ait soutiré 2 à 3 livres d'acompte. Tu t'es lavé les mains, Christophe? Oui, Erika. Alors va vite t'asseoir et finis de déjeuner. En tout cas, une fois qu'il aura dépensé son dernier shilling, j'ai comme l'impression qu'il va être pris au piège comme un rat. Fais ce que je te dis, Christophe. Bon, d'accord. Ben, moi, je trouve qu'une bonne patte dans le ventre, il y a que ça de vrai pour les rats. Quel venteur celui-là! Ça se trouve, il était déjà mort quand tu l'as tué. C'est pas vrai, je l'ai vu courir dans la cour ce matin. Et tu peux être sûr que si je le trouvais, ce type, je lui logerais une patte dans la peau au moins de un papa. Christophe, tais-toi un peu et mange. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Rien. Je me demande ce qu'il va acheter avec l'argent qui lui reste. De la nourriture, tiens. Ah, je sais bien, idiot, mais quel genre de nourriture? Des saucisses. Le chocolat me paraît beaucoup plus indiqué. C'est un aliment hautement énergétique. Oui, mais il n'osera peut-être pas entrer dans une épicerie. Dans ce cas, il risque d'avoir très faim. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui l'obligera à se rendre. Sauf que s'il attend trop longtemps, il s'évanouira et les corneilles viendront le piquer à les yeux. L'inspecteur Marsh vous demande au téléphone. Il y a peut-être du nouveau? Oui, inspecteur? Vous en êtes toujours au même point? Mais enfin, on doit pouvoir trouver au moins un indice, non? Ah oui, je vois. Eh oui, pour diable. Bon, mais très bien, je vous rejoins dès que possible. Oui, et appelez-moi s'il y a du nouveau. C'est ça, entendu? Au revoir. Alors, ils l'ont capturé? Non, pas encore. Décidément, notre police est au-dessous de tout. Ce qu'il leur faudrait, c'est du 109, tu ne crois pas, papa? Ouais, je t'en donnerai du 109, moi. Tu te feras renvoyer si on le trouve pas, papa? Oh, c'est bien possible, oui.
Mais ses chances de nous échapper sont très minces. L'inspecteur Marsh vient de me dire que depuis hier soir, il n'a pris qu'un thé. Vous ne m'attendez pas pour servir. Et qu'on a mis des barrages sur toutes les routes. Ce régime-là, il ne tiendra pas longtemps. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, pas vous? C'est ça que vous cherchez? Alors vous êtes finalement revenu. Vous pensez donc que je suis vraiment innocent? Oh, mais pas du tout. Je suis simplement revenu pour rembourser mon essence. Qu'est-ce que c'est que ça? La nourriture? Oh, je sais pas du tout. Et... Au revoir. Vous avez peut-être raison, il n'est pas prudent que vous attardiez ici. Enfin, je vous remercie pour tout. Si ça peut vous réconforter, je tiens à ce que vous sachiez que je suis innocent. Tout ça parce que je n'ai pas pensé qu'il pouvait s'agir d'un meurtre et qu'on m'a vu partir en courant. Si seulement je pouvais retourner dans ce relais routier, je suis persuadé que je mettrais fin à cette situation absurde. Vous permettez que je mange ? Parler de relais routier, je me sens défaillir. À part un thé au poste, ça fait 24 heures que je n'ai rien avalé. Pas de couvert. Pas osé confier un couteau au meurtrier que je suis. Oh, mais non, pas du tout. Je l'ai seulement oublié. Vous voyez bien que vous croyez que je suis innocent. Bon, où en étais-je? Ah oui, Christine a été tuée avec une ceinture de par-dessus. Je connaissais Christine et je n'ai plus mon par-dessus. On me l'a volé. Mais je retrouverai mon par-dessus et ma ceinture. Et je serai innocenté. Et est-ce que... Qu'allez-vous me demander? Oh non, rien. Mais c'est... si, je vous en prie, dites-le. Est-ce que Christine Clay et vous étiez très amies? Non. Je l'ai connue à Hollywood. Elle avait apprécié une de mes nouvelles et elle m'en avait commandé une autre. Je suis aussi allé chez elle 3 ou 4 fois pour discuter affaires. Mais à part ça... Hé, hey, regarde! Regardez quoi? J'ai vu tomber un bout de papier de la fenêtre du vieux moulin. Il y a sûrement quelqu'un là-dedans. Ah oui, et puis c'est peut-être... Tout juste! Allez, viens. Je lui ai rendu ce service, mais l'idée qu'elle pourrait penser à moi dans son testament ne m'a jamais effleuré. C'est votre chien? Eh oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à aboyer? Je ne sais pas, il veut peut-être qu'on lui ouvre. Mmh.
Oui, tiens, gentil, chien, ça. Oui, tiens, gentil. On rattrape le ce chien. Que je l'attrape? Bah oui, toi, et que ça saute, tu vas l'attraper, il va mordre. Si t'es mordu en service, ça te vendra du galon. Je me demande bien ce que je fais d'un galon si j'ai plus le bras pour le porter. Bon, allez, dépêche-toi de l'attraper. Ben, j'essaie. Voilà, allez, il est gentil. Il est gentil, le chien. Voilà, oui. Je l'ai attrapé. Voilà. Voilà. Allez, ça va, tu peux le lâcher maintenant. Allez, tu viens. Il y a quelqu'un là-haut? Non, personne. Dis donc, mon gars, c'est pas le moment de plaisanter, hein. Allez, grimpe, grimpe et va voir. Ça va, brigadier. Il n'y a personne au premier. T'en es certain? Ah oui, en tout cas, j'ai vu personne. T'as bien regardé? Ah, bien sûr que j'ai bien regardé. Ouais, je ferais tout de même mieux de m'en assurer. Ah, vous n'avez pas confiance en moi? Bah, vous me faites de la peine. Mais j'ai pas la moindre confiance. J'ai bien envie d'aller y voir moi-même. Non, et qui tu... Mon cri! Mais vite, attrape-le! Cachez-vous, il ne faut pas qu'il vous voie. Mais où allons-nous? Ne posez pas de questions, tirez sur la ficelle. Hé, hey, vous dans la voiture! Arrêtez! Je vous en demande de vous arrêter! Arrêtez-vous! Halte! Il a dit de vous arrêter! Halte. Tout fou, vous avez oublié tout fou! Vous inquiétez pas, il nous suit. Si vous ne vous arrêtez pas, je saute en marche! On les a bien eus, la chance est avec nous. Il fait presque nuit et nous serons bientôt au Tom's Hat. Si je me souviens bien de ce que le pompiste a dit, il faut rouler jusqu'au croisement et tourner à gauche. Après ça, plus de 3 bornes et c'est la fin de nos ennuis. Nos ennuis? Mais vous voulez dire vos ennuis? Vous êtes complètement inconscient? Vous m'avez obligé à fuir le brigadier Rutter, qui est mon ami, et il m'a appris à conduire. Mon père est commissaire de police et je ne peux pas vous aider. Je suis dans leur camp. Je vous demande pardon. Je l'ai mal compris, nous n'avons plus qu'à faire demi-tour. Ça te fait rien? De toute façon, je comptais tourner à gauche. Vous m'attendiez, on pourrait vous reconnaître. Je vais essayer de savoir ce qu'est devenu votre pardessus. Oh bon, j'en suis autant que je vous aide. Vous feriez bien de vous cacher par là. Ouais, complètement beurré. Et au fait, vous savez ce qui est arrivé? Un thé au lait et une part de gâteau, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise. Bill. Ouais? Va falloir que tu changes d'enseigne et que tu mettes salon de thé. Moi, je trouve ça très bien d'avoir des dames ici. Au moins, ça nous change. Je vous croyais plutôt gâtée de ce côté-là avec la mode de l'autostop. C'est votre camion qui est devant? J'ai toujours rêvé de conduire un camion comme le vôtre. Eh bien, moi, mon rêve, ça a toujours été de devenir funambule. Oh non, vous êtes un peu trop fort. À votre place, je resterai dans les camions. Vous n'auriez pas entendu parler d'un pardessus qui a été perdu ici la semaine dernière? Bah, s'il l'a perdu ici, ça m'étonnerait qu'il atterrisse aux objets trouvés. Attendez que je réfléchisse. Un pardessus... Oh, maintenant que j'y pense, il y a un vieux qui vient ici de temps en temps. Plus ou moins clodo, ou vagabond si vous préférez. À ce qu'il m'a dit, il répare la... Non, je dois me tromper, ça peut pas être lui. À votre place, je laisserai tomber. Mais si, t'as raison, Bill. C'est bien vieux Will, le raccommodeur de porcelaine. Il portait un pardessus presque neuf l'autre jour, même qu'il a dit qu'un type lui avait donné. Et qu'on s'est foutu de lui à cause de ça, comme si les gens étaient assez fous pour donner un pardessus neuf.
toi, je te conseille de la boucler et de laisser le vieux Will tranquille. De toute façon, et même si c'est lui, on t'a pas demandé d'ouvrir ta gueule de rat et de crier son nom sur tous les toits. Ben, je dirais ce que j'ai envie de dire, espèce de sale pouilleux. Erika! Je suis là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous auriez pu être blessé. Qu'est-ce qui a provoqué cette bagarre? Votre par-dessus, il a été volé par un vieux vagabond, mais je n'en sais pas plus. Ils ont déclenché une bagarre pour l'empêcher de parler. Oh là là, mettez votre tête sous l'eau, vite. Oh, quelle invention! Approchez-vous! Hé, professeur! Si vous cherchez le vieux Will, le rat commandeur de porcelaine, je peux vous dire que cette mule sera chez Nobby, l'asile de nuit de Bilchester. C'est à combien d'ici? À peu près à 50 bornes. Je l'ai souvent conduit là-bas en camion. Hé, mais dis donc, qu'est-ce qu'il prend, petit con? Allez, fiche-moi la paix! Ça va? Ouais, et bien? Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de récupérer votre par-dessus. Je suis ravi que vous ayez tourné à gauche. Je le suis aussi maintenant. Eh bien, au revoir. Merci, merci infiniment. Est-ce que je peux vous souhaiter bonne chance? Vous devriez rentrer. Comment pouvez-vous y aller? Avec un de ces camions, mais ils vont dans l'autre sens. J'arrêterai une voiture de police, ils ne vont pas tarder. Vraiment très chic à vous, mais vous n'êtes pas très raisonnable, vous savez. Ah, je vous en prie, cessons de parler de ça. Oui, mais votre père, il ne va pas s'inquiéter. J'y ai pensé, j'ai une solution. Ma tante habite à 3 km de l'endroit où nous allons. Je téléphonerai de chez elle et je dirai à mon père exactement où je suis allée et ce que j'ai fait. Pour apaiser votre conscience, hein? Oui, sans doute. Oh, je ne resterai que quelques minutes, le temps de téléphoner. Tenez, on pourrait en avoir besoin. Besoin pourquoi? Mais pour entrer en contact avec le vieux Will. Il sera peut-être déjà couché quand j'arriverai. Vous voulez dire qu'il ne travaille pas de nuit? Non, sincèrement, ça m'étonnerait. Ah, dans ce cas, on peut très bien s'en passer. Attendez-moi là, j'en ai pour 2 minutes. Revenez vite, je ne me sens pas très en sécurité ici. D'accord. Bonjour, mademoiselle Erika. Cela fait des semaines qu'on ne s'est pas vu. Madame va être ravie que vous soyez venue. Ah, je suis contente de vous revoir, Edmond. Est-ce que ma tante est là? Bien sûr, mademoiselle. C'est l'anniversaire de mademoiselle Félicité. Elle donne une petite fête. Oh, dans ce cas, je ferais peut-être mieux de m'en aller. J'avais oublié que c'était son anniversaire. Mais il faut que vous restiez. Mademoiselle Félicité serait très déçue. Allez, et vous verrez que tout se passera bien. Ensemble en faisant un premier nœud et un deuxième nœud que je serre tous deux assez fortement. Ceci étant fait, je vais maintenant rouler ces deux mouchoirs de manière à en faire une boule. Ma chérie, quelle surprise! Tu arrives juste à temps pour le prestidigitateur. C'est très aimable à toi d'être venue pour m'aider à m'occuper des enfants et aussi de t'être souvenue de l'anniversaire de Félicité. Bon, vous connaissez tous le jeu, les enfants. Cesse de gigoter, Marjorie. L'un de vous va sortir de la pièce et... Moi. Je te prie de ne pas m'interrompre. Je peux sortir, s'il vous plaît? C'est à moi d'en décider, Aaron. Je suis désolée, mais il faut absolument que je sorte. Oh, je vois. Eh bien, dépêche-toi de sortir. Et ne t'attarde pas.
Erika? Erika, tu connais ce jeu, je suppose. Oh, je ne crois pas que je m'en souvienne très bien. D'ailleurs, il faut que je m'en aille. Mais tu viens à peine d'arriver. Et je ne pense pas que tu aies oublié un jeu auquel tu jouais si souvent autrefois. Allez, ma chérie, sors et ne reviens que lorsque je t'appellerai. Chère Erika, je ne peux plus vous attendre. C'est trop dangereux. Il faut que je continue ma route. Je vous contacterai plus tard. Merci pour tout. Est-ce que ce n'est pas la voiture d'Erika? Si, effectivement. Vous êtes un de ses amis? Oui, elle est entrée. Et elle vous a laissé ici, c'est un vrai scandale. Elle a dit qu'elle ne s'attendrait pas. C'est ce qui vous trompe, c'est l'anniversaire de Félicité. Félicité? Ma Benjamine, elle a 7 ans aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, j'oubliais, c'est l'anniversaire de Félicité. Figurez-vous qu'Erika n'a jamais manqué de lui apporter un cadeau. Ah bon? Non, jamais. Il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'elle oublie un anniversaire. Sûr. Bon, alors vous venez? Non, je préfère attendre ici. Ne faites pas l'idiot, je vais pas vous laisser à la porte comme un criminel. Vous vous amuserez, venez. Je n'en doute pas. Erika, ma chérie, je ne te félicite pas. Tu amènes un jeune homme et tu l'abandonnes dehors. Je ne comptais rester ici que quelques minutes. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux que tu restes ici jusqu'à ce que la fête batte son plein. Erika, il faut que nous partions. Dites-lui qu'on ne peut pas rester. Oh, mais c'est cette fête qui m'ennuie. Je fais ce que je peux, mais... Je sais, vous avez été si bonne et je vous suis si reconnaissant que je... Tu peux entrer, Erika. Je suis désolée, j'ignorais. Bonjour, tu connais la dernière d'Erika? Elle laisse moisir son amie dehors pendant qu'elle s'amuse ici. Ah oui? Je suis vraiment désolée. En réalité, je n'avais pas l'intention de m'attarder. Je suis seulement venue parce que... Vous êtes venue pour remettre son cadeau d'anniversaire à Félicité. Que c'est gentil à toi, Erika. Ce nain en pierre est absolument ravissant, n'est-ce pas, chérie? Oui. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux que nous avons. Il ira très bien dans le jardin. Si nous allions rejoindre les autres. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Oh, Erika, Erika, tu veux bien jouer à cache-tampon? Oh oui, Erika, oui. Bonjour, Félicité. Alors, tu t'amuses bien? Oui, Erika, beaucoup, mais je voudrais bien jouer à cache-tampon. Oh, je pense que tu peux y jouer si tu demandes à maman. C'est avec toi que je voudrais y jouer. Pour le moment, je ne peux pas, ma chérie. Peut-être tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que tu peux pas y jouer maintenant? Allez, viens, Félicité, on veut y jouer tout seul. Bon, c'est parti de... Le Major Cunningham, Mrs. Cunningham. Assieds-toi près de moi. Basile, veux-tu sortir les diablotins? Oh oui, les diablotins. Monsieur, monsieur... Je suppose que vous séjournez chez les Burgoines, monsieur. Pas exactement, juste à côté. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais je ne peux jamais me rappeler combien Erika a de frères. Je dois vous avouer que moi Erika, tu m'excuseras, mais je n'ai pas très bien saisi le nom de ton ami. Brishklum Balanton. Ah oui? Et oui, c'est un bien curieux nom, n'est-ce pas? En effet, je ne crois pas l'avoir déjà entendu. Doucement! Viens de servir, Erika! Oh! 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 Tout le monde ne pousse pas! C'est le moment! Oh, je ne peux pas, ils vont commencer à se faire des idées. Moi aussi, j'ai une idée, elle est tenace. Taisez-vous, voyons. L'amour est une vertu que la passion transmet. Oh, attention à ce que tu dis. Donne-la-moi, je vais la lire. C'est à moi de décider de ce que tu peux lire. D'abord, c'est ma Maxime. Oh, les glaces, les enfants, eh venez. Bien, elle tombe à pic. Oh, je ne peux pas. Là-bas. Non? Ma tante, il faut vraiment que nous partions. Oui, il le faut absolument. Oui, je comprends. Puis-je vous demander d'aller porter ces glaces là-bas, s'il vous plaît? Mais certainement, je vous en prie. Et celle-ci est à la fraise? Oui, les rouges sont à la fraise et les blanches à la vanille. Il y en a pour tous les goûts. Ce garçon est absolument délicieux. Il y a longtemps que ton père le connaît? Non, pas très. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dans la vie, il est employé. Dans quelle branche? La publicité. Il fait des affiches publicitaires. Quel nom surprenant il a tout de même. Comment m'as-tu dit qu'il s'appelait? Brishton Balanclume. Ah, vous étiez là. Veux-tu aller porter ces glaces aux nurses qui sont là-bas, s'il te plaît? Erika est une jeune fille délicieuse. Vous ne trouvez pas, monsieur Clume? Si, tout à fait. À propos, vous connaissez son père depuis longtemps? Oh, oui, depuis des années. Dites-moi, votre métier doit être passionnant. Mon métier? Oui, Erika vient à l'instant de m'en parler. Ah oui, mon métier. Il vous plaît? Il est devenu si rare que les jeunes gens apprécient leur métier. J'adore mon métier, il est passionnant. Je pense qu'il doit être très difficile de trouver le ton juste. Oui, peut-être au début, mais l'essentiel c'est d'avoir de l'oreille. Ah?
J'aurais cru qu'une bonne vue était beaucoup plus importante. Oui, naturellement, c'est important. Mais je sais déchiffrer du premier coup. Je vous demande pardon ? Oui, je veux dire que je peux déchiffrer couramment une partition musicale. Je vois. Et la jouer, bien sûr. Oui, bien sûr. Cette fois, c'est décidé, je vais lui dire que nous partons. Ça y est, tante Margaret, j'ai fini. À présent, il faut vraiment que nous partions. Comme tu voudras, ma chérie. Je regrette simplement que vous soyez obligée de partir si tôt. Je viens d'avoir une conversation passionnante avec ton ami, M. Valentin. Maman, je veux jouer à un autre jeu. Attends qu'on ait fini de tirer la carte, ma chérie. D'accord. Restez au moins jusqu'à ce que les enfants s'en aillent. Bon, eh bien, à quoi allons-nous jouer, ma femme ? Harold aimerait jouer à Colin Maillard. Faut qu'on me bande les yeux. C'est à moi d'en décider, Harold. Félicitations, on bandait plutôt les yeux à maman. Oh oui, bandez-lui les yeux. Non, ne sois pas ridicule, chérie. Laissez-vous faire, vous essayerez de m'attraper. Oh. Bon, très bien. Monsieur Bridgestone. Oh. Où est Erika? Ils sont rentrés, ils m'ont demandé de te dire au revoir. Quel idiot, tu n'as donc pas vu qu'il manigançait quelque chose? Elle ne savait même pas son nom et lui non plus, j'en suis sûre. Oh là, tu exagères. Je n'exagère pas du tout. Il faut absolument que j'en sache plus. Si seulement tu n'avais pas insisté pour me bander les yeux, il serait encore ici. Et voilà, mon cher, qu'est-ce que je te disais? Ils ne rentrent pas, ils ont pris la direction opposée. Le 80 à Kenwood, je vous prie. Vite! Oh, bonjour, Margaret. J'ai cru qu'on ne pourrait jamais partir. Vous ne croyez pas qu'elle soit peut-être quelque chose? Mais non, elle est simplement curieuse de nature. En tout cas, mes réponses ont eu l'air de lui convenir. J'ai cru que j'allais mourir de rire quand vous avez sorti la statuette. Je me demande si elle remarquera son absence. On ne devrait pas rire, c'est pas drôle. Pourquoi, quand elle m'a demandé mon nom, c'était comique, non? J'avais une peur terrible. Vous aviez l'air terrorisée. On ne devrait pas rire, au fond, c'est tragique. Dommage, vous êtes tellement mieux quand vous riez. Vraiment? Je ne veux pas vous inquiéter inutilement, mais j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous prévenir. Erika est encore si jeune, ce n'est qu'une adolescente. Mais oui, je suis très étonné. Erika n'a jamais quitté la région sans me prévenir. Et elle m'a toujours dit avec qui elle allait. Le seul individu que je n'ai jamais aimé l'avoir fréquenté, c'est Gordon Green. Alors c'était lui? Ce ne peut être que lui, il a donné un faux nom. Mais non, il est aux Indes. Alors ce n'est pas lui. Dans quelle direction sont-ils allés? Oui. Oui. Bon, très bien, je vous rappelle plus tard. Il aurait pu me remercier tout de même. Encore 3 kilomètres et on y est, encore 3 kilomètres et on y est. Oui, mais une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera? Mais on retrouvera le vagabond, la ceinture et vous retournerez chez papa. Vous êtes sûr que le vagabond sera là? Évidemment qu'il y sera. Il se tiendra à la porte et une larme sur son visage bourru, il dira « Tiens, je te le rends, professeur. » Vous croyez que ce sera aussi facile? Pourquoi pas, la chance m'a sauvé jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi elle nous abandonnerait. Il faut l'espérer, ce serait dommage tout de même. Et quand tout sera fini, vous retournerez chez votre père et en ouvrant la porte, vous direz... Avec une voix pleine d'émotion. Une voix émue me paraît tout à fait indiquée. Vous avancerez vers lui et vous direz « Papa, je reviens de loin, j'ai pris des risques énormes et voici Tisdall dans toute son innocence. » Et il me tapera la tête et il dira... Avec une voix pleine d'émotion... Je suis fière de toi, Erika. Merci. Et pour compléter le tableau, vous pourrez lui prendre la main. Oh, Robert, je voudrais tant que tout s'arrange pour vous. Ça commence déjà. Que voulez-vous dire? Vous venez de m'appeler Robert? Ah oui? Oh, j'avais pas remarqué. Elle passera à Lemming, sauf si elle change de route. Eh bien, c'est une vieille Maurice. Non, non, je ne me souviens plus du numéro, non. Elle est accompagnée de quelqu'un, un jeune homme, sans doute. Oui. Et qu'elle me téléphone immédiatement. Excusez-moi, vous êtes Mlle Burgoyne? Oui. Et votre père est bien commissaire de police? Oui, pourquoi? Je veux que vous lui téléphoniez immédiatement. Dites que c'est urgent, si vous voulez bien me suivre. Oui, vous êtes le type qui s'est évadé du tribunal ce matin, c'est vous, j'ai vu votre photo. Je crois que vous feriez bien de me... Vite, démarrez! Ils vont ameuter toute la région, on aurait dû éviter ce village. Cette voiture ne peut pas avancer plus vite, j'ai l'impression de faire du surplace. C'est très grave de s'enfuir avec un homme qui s'est échappé. On va m'accuser de complicité, j'en aurai pour 10 ans, mon Dieu, c'est terrible. Qui va s'occuper de mes frères, pauvre papa? Il faut que nous allions plus vite, plus vite. Il faut que nous retrouvions ce manteau, je ne peux plus reculer maintenant. Pauvre papa.
Oh, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, oui, je pense que ce doit être lui. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je vous demande de ne pas citer le nom de ma fille. Enfin, du moins pour le moment. Je comprends, commissaire. Ne vous inquiétez pas, on les recherche très activement. Il l'a probablement forcé à aller dans la forêt d'Eschkortz en pensant que c'était le meilleur endroit pour nous échapper. Mais on est en train de la passer au peigne fin. Cet endroit est parfaitement sûr, ne vous inquiétez pas. Nous allons y rester un peu. Dans quelques heures, le cauchemar sera terminé. Et nous pourrons nous dire adieu et ne jamais plus nous revoir. Plus jamais? Disons que vous n'êtes pas obligé de me revoir. Remontez votre col. Oh, ça fait rien. Ah, vous allez faire ce que je vous dis. Je sais exactement ce que vous ressentez. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous avez l'impression de vivre un mauvais rêve. La nuit exagère toujours un peu la réalité. J'aime beaucoup la nuit, je la trouve beaucoup plus animée que le jour. Regardez ces gens attablés dans le wagon, en train de dîner, là, sous notre nez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller nous chercher de la nourriture. Non, plus tard. Quand le par-dessus sera entre nos mains, on dînera comme jamais on a dîné. On s'offrira un véritable festin avec double ration et champagne. Bon, il faut que j'y aille. Je ne serai pas lent, ne vous inquiétez pas. Bientôt, nous brandirons ma ceinture sous les yeux effarés de ces messieurs. Et puis, je vous reconduirai chez vous. Il est temps que j'aille à l'asile de nuit. Regardez ce que j'ai volé dans une cabane de cheminots. Alors, comment me trouvez-vous? Erika? Chère Erika, je vous en prie, dites quelque chose. Je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Je sais que c'est ridicule, mais... je me sens tellement... tellement épuisé. Après une telle journée, c'est normal. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez peut-être que je vous ramène chez vous? Non. Non, il faut que j'aille jusqu'au bout maintenant. Vous êtes merveilleuse. Vous croyez que je peux rester ici? Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur. Il ne m'arrivera rien, je vous le promets. À présent, vous allez essayer de dormir un peu et d'oublier tous vos soucis. Voilà. Tout fou, tout fou. Tout fou, je te la confie. Veille sur elle. Je ne veux pas non plus que quelque chose vous arrive. Shinobi, asile de nuit. Bonsoir, Nobby. Je suis pas Nobby. Il est mort depuis bien avant la guerre. Ah. Il y a un lit pour moi? Sur ta gauche. À gauche. Numéro 6. Merci. Le vieux Will est rentré? Will? Non, mais je lui garde son pieu. T'es un pote à Will? Ouais. Je savais pas qu'il en avait un. Si. Si, si. Bonsoir.
part. Non, mais pour qui se prend celui-là, il va faire chier à tout le monde, hein. Arrête ça, je te dis, je te tue. Bah, essaye un peu, pourquoi. Hé, hey, les gars, du calme un peu là-haut. Je veux pas de ça chez moi, t'as compris. Je veux pas revenir ici. Ben tant mieux. Allez, hausse, le balai. De toute façon, tes flemmards sont bons qu'à être foutus en l'air. Le vieux Will est pas encore arrivé. Dis donc, si t'es son pote, tu devrais le savoir. Je viens de me réveiller. Je sais pas lequel de ces gars, le vieux Will. Non, mon vieux, ce nom-là, il me dit rien. Ah, ben, je comprends maintenant. Ça doit être vrai que t'es son pote, en fin de compte. Il y a longtemps que ça dure, ce petit manège. Eh bien, Will, vous dire... il y a ton petit pote qui te demande. Qui c'est qui me demande? Ah oui, c'est un client. Salut, mon grand. T'as une tasse à raccommoder? Non, et tes petites combines, j'en veux pas ici. De quoi tu parles? De quoi je parle? Mais de ton copain qui me casse mes tasses pour que t'aies du boulot. Ça suffit, je veux plus t'entendre et je veux plus te voir ici. Bon, et qu'est-ce qui lui prend? Je te connais pas, moi. Écoutez, il faut que je vous parle. Oui, il faudrait que t'attendes ton tour parce que c'est après lui que j'en ai. Écoutez, il faut que je vous parle, c'est qu'est-ce très que important. Tu veux? Et d'abord, depuis quand je suis ton copain? Non, il a mal compris. Oui, bah, je pense bien qu'il a mal compris. J'ai fait 80 km pour vous parler. 80 bornes pour me causer? Je suis à la recherche d'un pardessus. Bah, j'y comprends rien à ton histoire de pardos. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille. Vous savez ce qu'il est devenu? C'est pas après vous que j'en ai, c'est le pardessus qu'il me faut. Vas-y, oui, fiche-lui une raclée. Je jure que s'il continue à me chercher, celui-là, il va me trouver. Le pardessus qu'on vous a donné chez Tom Satt, c'est le mien. J'en ai besoin comme preuve. Après, je vous le rendrai. Il n'a pas fini de me kikiner. Je te rappelle, je sais rien du tout sur ce foutu pardessus. Mais enfin, tu le fais exprès. Ce pardessus peut me sauver. Il peut me sauver la vie. Je suis accusé de meurtre et en ce moment même, la police est à mes trousses. La vie! Que je me tire, hein. Après tout, je vous connais pas, moi. Une seconde. Adieu, Erika. Allez, viens, je n'ai pas fini oh, non, avec mais toi. Non, mais je suis tombé dans la merde. Faut-toi de là. Oh, allez, arrêtez. Vite, brigadier, ils viennent de s'enfuir. Erika, mettez le moteur en marche, ah, vite. Mais où est-ce qu'on va? J'ai rien fait, moi. Allez, monte. Ah, mais... Aïe, doucement. Hein. Allez, tout droit. Vous avez le pardessus? Et là, c'est ce qu'il est devenu, mais il veut pas lâcher le morceau. C'est un enlèvement. Vite, ils arrivent. Ça suffit, tout fou, mais enfin, qu'est-ce qu'il a, ce sale chien? Laisse-moi prendre la chien tranquille, sale cabot. Regardez, Erika, le pardessus. Arrêtez-vous, je le tiens. Où tu voulais en venir, tu comprends? Tu t'amènes à l'asile en disant que t'es mon pote et après tu me traites comme un sac à patates dans une bagnole. Alors c'est pas pour dire, mais je me suis senti tout con. Oh mon Dieu, je suis si contente. Je me demande s'il y a une cabine téléphonique par ici, parce qu'il faut que je contacte mon père. Tiens, leve-la ton pardos. C'est bien le mien. Où est la ceinture? Qu'est-ce que tu as fait de la ceinture? Hé, hey, qu'est-ce que tu as fait de la ceinture? Quelle ceinture? Celle qui était cousue ici, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, je sais pas, il y en avait pas de ceinture quand le type me l'a donnée. C'était donc bien la mienne. Qui t'a donné ce pardessus? Je viens de te le dire, un type. Quel genre de type? Il avait des signes particuliers? Ouais, et un tic. Un tic? Quel tic? Comment ça? Dans les yeux. Ça ne fait rien, son témoignage vaut la ceinture. Il sait bien que c'est pas moi qui lui ai donné. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est pas toi. Son témoignage ne vaut rien. Et pourquoi? C'est une très bonne preuve. La police ne croira jamais à un type pareil. Bah, dites donc, je suis quelqu'un de respectable, moi. Mais ils ne croiront jamais qu'on ait pu donner un pardessus neuf à un vagabond. Ils trouveront ça insensé. Il faudrait que j'en sache plus, mais la police nous suit de près. Tu ne connaîtrais pas une bonne cachette? Oh, bah, il y a la forêt de briquettes qui est à peu près à 5 bornes. Sinon, il y a un petit chemin où je sais qu'il passe pas grand monde et qui est juste avant Épine. Oh non! Il vaut mieux qu'on aille à l'ancienne carrière. C'est même pas 2 bornes d'ici. Ça ira. Allez, en route. Ouais. Thank you.
si on essayait l'ancienne carrière. Pas pour lui. C'est vous qui en êtes sorti. Ne soyez pas ridicule, voyons. Pas si vite, mademoiselle Anas. Vous l'avez attrapé? Non, il est disparu. Nous savons bien, mademoiselle Burgoyne, que vous avez été mêlée à cette triste affaire à votre corps défendant. Vous croyez? Et nous pensons bien sûr que votre intention était de lui tendre un piège. Je vois. Vous devez pouvoir nous dire où il allait quand il nous a filé entre les doigts. Je n'en ai aucune idée. Il ne vous a rien dit du tout? Non, rien du tout. Mademoiselle Burgoyne, en ce moment, je fais tout ce que je peux pour vous simplifier la tâche. Alors, je vous en prie, faites un effort pour simplifier la mienne. Je suis chargé d'une mission, celle de retrouver un assassin. Eh bien, retrouvez-le. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est faux, vous ne comprenez donc pas que vous faites erreur. Vous avez un suspect, vous vous acharnez sur lui. Les charges qui pèsent contre lui sont très lourdes. C'est faux, il ne peut pas l'avoir tué. Il n'avait pas de raison de la tuer. Cette femme le faisait travailler, il vous l'a dit. Oui, mais il nous a dit tant de choses. Si vous essayez de le poursuivre, vous trouveriez sûrement le meurtrier. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous vous intéressez tant à lui. Parce qu'il est innocent. Il est incapable de tuer qui que ce soit. Il est bien trop doux et généreux. Croyez-moi, cet homme est le meilleur. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, messieurs. Pour ce repas que vous nous donnez, nous vous remercions, Seigneur, du fond du cœur. Christophe, essaye de faire un peu moins de bruit en mangeant ta soupe. Oui, Erika. Votre père aimerait vous voir quand vous aurez terminé, mademoiselle Erika. Entre, ma chérie, je t'en prie. J'aimerais que nous ayons une petite conversation tous les deux. Je comprends parfaitement que tu n'aies pas voulu parler ouvertement devant tous ces inspecteurs, mais... Mais il me semble que tu devrais avoir quelque chose à me dire qui pourrait nous aider à retrouver cet homme. Non, papa, je n'ai rien à te dire. Je vois. Tu persistes à protéger un individu recherché pour meurtre. Ce n'est pas un meurtrier. Je n'ai pas besoin de te dire que tu te rends coupable d'un acte délictueux et que j'en suis responsable. Tu ferais bien de lire cette lettre. Monsieur, c'est avec un immense regret que je vous demande d'accepter ma démission du poste de commissaire de police de ce comté. Faut-il que tu donnes ta démission? Tu vas monter dans ta chambre et y rester jusqu'à nouvel ordre. Oh,
Est-ce que tout va bien? Le vieux Will vous a retrouvé? J'ai décidé de me rendre. C'est pour ça que je suis revenu. Je vais vous leur dire que je vous ai obligé à m'aider. Et aussi vous dire adieu, Erika. Oh, mais je ne vous ai aidé que parce que je le voulais. C'est inutile. Cette ceinture était mon unique chance de salut. Ils ont dû retrouver le pardessus. Oui, ils l'ont apporté au poste pendant qu'on m'interrogeait. La ceinture n'était pas dans une des poches? Non. Elle ne contenait qu'une boîte d'allumettes du Grand Hôtel. Il faut que je parte. Le vieux Will m'attend. Allez-vous-en maintenant. Je ne veux pas voir partir. Erika? Ces allumettes, elles venaient du Grand Hôtel? Oui, pourquoi? J'ai jamais mis les pieds au Grand Hôtel. Mais alors, l'assassin... se trouvait ou se trouve encore au Grand Hôtel? Alors, on a épousé la fille du roi. Qu'est-ce que tu caches, hein? Qu'est-ce que je cache? On s'est déguisé pour le bal au palais. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais. Et ça? Ça fait une demi-heure que je te surveille, alors attention. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Après tout, vous êtes le seul à pouvoir le reconnaître. Ces salbottines me font un mal de chien. J'ai pas eu le temps d'y faire un trou pour mes corps. On devrait peut-être commencer à le chercher, vous croyez pas? Oui, allez, venez. Qu'est-ce que c'est que ce grand bureau qui est là? C'est la réception. Peut-être bien qu'ils connaissent un type qui clignote des yeux. Hein, je vais demander. J'aurais voulu une suite pour seulement... Excusez-moi, mademoiselle. Vous connaîtriez pas Je pense venir vers le 15. Très bien, madame. Si vous voulez bien me laisser votre nom. Bon, c'est madame Pittman. Ce n'est pas la peine de vous adresser à elle. Elle ne peut pas être au courant. Et si on allait jeter un œil là-bas? Pourquoi pas? Allons-y. Une table pour deux, je vous prie. Très bien. On devrait commander un thé, on risque de rester là assez longtemps. J'aimerais mieux un demi. Je ne crois pas que ce soit possible à cette heure-ci. Ce serait peut-être bien de commander, c'est moi le monsieur. On peut avoir deux thés, s'il vous plaît. C'est là aussi, monsieur. Non, du thé. Vous surveillez-les pendant que je téléphone à son père. Ordres. Non, vous n'avez encore vu personne avec un tic. Je vois rien, il y a trop de monde. Il faut pourtant qu'on le retrouve. Je peux pas aller demander à tout le monde s'il a un tic. Ah ben voilà un type qui manque pas de voix, au moins. On doit pouvoir le retrouver s'il est là.
got to give credit where credit is due. But when it comes to make that music pop, make you give it all it's got, I'm right here to tell you, mister, no one can like the drummer man. De quelle façon clignote-t-il? Seulement d'une paupière? Non, il clignote des deux. Mais... j'y vois que dalle, moi, avec tout ce monde qui se trémousse dans tous les coins. Dites, on pourrait pas changer de table? Mais vous voyez bien qu'elles sont toutes prises. Oui, mais si on reste ici, on ne le retrouvera pas. Et si on faisait un petit bout de danse, tous les deux? Vous savez danser? Ah, bien sûr que non, voyons, mais on perd rien. Essayez, c'est pas vrai, de toute façon, ça n'a pas être plus sorcier que de marcher. Ah, qu'est-ce que je donnerais pour avoir des pantoufles? Toi, le batteur, j'ai deux mots à te dire. T'avises pas de me refaire ce coup-là. J'apprécie pas et je peux toujours payer quelqu'un d'autre pour faire les orchestrations. Bon, on le retrouvera pas, c'est foutu. On ne doit pas renoncer à chercher. L'ennui, c'est que les poulets nous ont à l'œil depuis près d'un quart d'heure. Je sais, je croyais que vous ne les aviez pas remarqués. Ah, je croyais que c'était vous qui les aviez pas vus. Ils sont sûrement à la recherche de Tisdale. Je forcerai pas trop la dose, mon vieux. Je fais ce qui me plaît, occupe-toi de ce qui te regarde. Très bien, comme tu voudras. Non, excuse-moi, mais tu comprends, je les prends pour arrêter ce foutu clignotement. Je peux plus le supporter, il me tape sur le système. Allez, au boulot, c'est l'heure. Je tiens à vous remercier de votre discrétion, de votre patience. L'issue de l'affaire ne dépend plus de moi. Bon, il faut y aller maintenant. Vous voyez bien, je le regrette, mais nous n'avons pas le choix. Oui, bien sûr, allez-y. Faites ce que vous avez à faire, inspecteur. C'est inutile, messieurs. Tisdale. Je disais donc qu'il est inutile de vous en prendre à elle. Je suis là et je n'ai pas l'intention de m'échapper. Dommage que vous n'y ayez pas songé plus tôt. Ça nous aurait épargné beaucoup de problèmes. Emmenez-le, brigadier, je vais aller chercher Mademoiselle Burgoyne et le clochard. Allons, messieurs, donnez-moi un là.
Où sont-ils? Là-bas. Dites-leur de venir, voulez-vous? Allez, viens. Mais qu'est-il arrivé au batteur de l'orchestre? Je ne sais pas, monsieur. Il faut que je trouve un médecin. Personne n'arrive à le ranimer. On pourrait lui donner un coup de main. La dernière fois que vous avez prodigué vos soins à quelqu'un, ça nous a coûté un peu cher. Vous ne pourriez pas être humain pour une fois. Non, mais écoutez-moi. Laissez-moi passer, je suis secouriste. Il me faut du cognac. Bien, mademoiselle. Will! Will! Will, ses yeux, regardez! Quelqu'un pourrait-il lui essuyer le visage? C'est lui, mademoiselle. Oh, c'est lui, il n'y a pas de doute. C'est bien vous qui avez donné un par-dessus à un vieux vagabond. Qu'avez-vous fait de la ceinture de ce par-dessus? Vous voulez savoir ce que j'ai fait de la ceinture de ce par-dessus? Je l'ai entortillé autour de son cou et je l'ai serré jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. On l'a retrouvé, vous êtes sauvé. Papa, tu ne crois pas qu'on pourrait inviter M. Tiss dans l'Athénée ?